Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur ce plateau spécial, émission spéciale sur LTM Télévision. Samuel Tofis, président de la Fédération camerounaise de football, ce jour élu 43 voix contre 31 pour Seydou Bombondjoya. On va dire, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Le goleador camerounais, l'international camerounais, deux fois champion de la Champions League, plusieurs fois Ballon d'Or africain, a réussi l'espoir, l'inédit, d'être président de la Fédération camerounaise de football. Inédit aussi parce que c'est la première fois qu'un footballeur, un joueur, réussit à être au sommet, à la tête d'une fédération, mais surtout camerounaise. Et on sait quand même tout le déroulé de cette campagne, pré-campagne, campagne pour ce poste de président à la Fédération camerounaise de football. Une campagne d'ailleurs très suivie, une élection aussi, on l'a vu, avec l'arrivée du secrétaire général de la Confédération africaine de football. La retransmission en direct, minute by minute, à la FIFA. Tout est tiré pour que ça soit une belle élection. Je suis donc à cette assemblée générale élective. On reviendra au cours de cette émission spéciale sur le compte rendu. Mais cette victoire aussi, on l'a vu, très appréciée par les Camerounais. Ça a été comme une élection présidentielle. Tous les bars, les maisons étaient accrochées à cette élection, minute by minute. On reviendra dans cette émission spéciale pour le compte rendu. On parlera aussi de la réaction du président sortant d'ailleurs, qui a réagi sur la toile. Plusieurs stars du monde international ont déjà réagi, notamment Didier Drogba, qui a fait un post félicitant Samuel Tofis et parlant d'une nouvelle épopée, d'une nouvelle ère pour le football africain. Que propose finalement Samuel Tofis alors qu'à quelques heures de cette victoire à la tête de la fédération de Yaoundé, qui va nous donner les dernières informations à l'hôtel Montfébou, où s'est déroulée bien sûr cette assemblée générale, où se déroule cette assemblée générale élective. On reviendra justement sur un probable bureau constitué pour l'assemblée qui va poursuivre pour 3 ans à la tête donc de cette FECAFOOT. Et pour en parler, on a des hommes sportifs qui ont une bonne expérience dans le monde du sport. On a des hommes politiques, mais qui ont aussi le part ou le mot à dire dans ce monde de football. Je vais d'abord commencer, bien sûr, par Simon Moukété. Vous le connaissez très bien. C'est un habitué des antennes de votre chaîne LTM Télévision. Simon Moukété, bonsoir et bienvenue sur le plateau spécial. Good evening. Thanks for this wonderful invitation. Definitely, I'm very happy to be here. I think it's wonderful to see that finally football is breathing again. You know, it's good to have all this oxygen coming up and all this refreshness coming up so far as our soccer is concerned. I think it's good to be out of this war, out of this fight, and to really drive through the new challenges that are there, that are going to face the new president. I think, first of all, I want to congratulate him. I know it was a very tough fight. We were very lucky to watch it all live on television. And this was really a grand premiere, as you said. It was as if we were really watching the presidential election, because all the means that were put in place were showed that there was something hard. But we have to really appreciate the atmosphere, which was very tense. But finally, everything ended well. I think that's interesting. I think we really have to appreciate the fact that the footballers finally are getting to control their football. This is something very interesting to talk about. Voilà, merci pour ces mots d'introduction. On sera avec vous comme capitaine du bateau, Samuel Tofis. Le temps pour nous de prendre le deuxième invité, Désiré Milengue, bonjour. Hey, bonsoir, PC. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir à mes compagnies. Bonsoir aux téléspectateurs de LTM. Nous sommes très contents ce soir d'avoir véritablement un programme de la Fédération Camerounaise de football. J'ai envie de vous appeler prophète parce que vous l'avez dit sur ce plateau ou sur ces antennes il y a quelques semaines que Samuel Tofis sera président de la Fédération Camerounaise de football. Et ça y est, on oui, y est. Oui, justement, on t'a dit que prophète, pas vraiment, mais là, tout ce qui avait la lecture du football et surtout qui avait normalement la visibilité, qui était soucié du football camerounais, ne pouvait que voir Samuel Tofis président de la Fédération ce jour. Et cela est fait. Donc je crois quand même que le Cameroun va gagner le football camerounais. On l'espère. Et on prend le troisième invité, Guy Stéphane Niassé. On va dire quand même que depuis le début de cet après-midi, vous avez le sourire aux lèvres. On s'est parlé presque toute la journée. Beaucoup de joie pour cette victoire de Samuel Tofis. Bonsoir, Guy Stéphane. Bonsoir, Priscille. Bonsoir aux copanélistes. Je suis tellement heureux. Il faut déjà que je salue le fan club Samuel Eto'o de New Daido, Chinois, Marouane, Charlotte. On a regardé cette élection à la télé comme s'il s'agissait de la finale de la Coupe du Monde. Je suis particulièrement heureux parce que Tofis, c'est comme un symbole national pour moi parce que c'est quelqu'un qui part de rien. C'est comme un mythe. Vous avez, c'est un magnifique storytelling. Il est fils de pauvre, qui est né à New Bell, qui est dans un autre quartier populeux et difficile de Yaoundé. C'est tellement grâce à son talent, l'abnégation, parce qu'il arrive en Europe, il dit,
que les conditions de l'Europe le poussaient à s'entraîner 7 fois beaucoup plus, 70 fois beaucoup plus pour se faire une place au soleil. Malgré tout, il a été un des joueurs africains les plus titrés de l'histoire. Et puis il revient au Cameroun avec un beau projet pour le football, avec une campagne, parce qu'il faut dire que on se demandait, mais est-ce que Eto'o sera à la hauteur face à tous ces politiciens, ces personnes qui sont assises à la FECAFOOT avec une expérience immense des élections de la politique. Mais il nous a montré que on peut, même en tant que footballeur, être un bon politicien. J'ai été très heureux de voir à quel point il a été fougueux, sage, et de remporter ces élections. Il a dit, quand il gagnait, ou du moins son porte-parole l'a dit, et Eto'o a montré qu'on peut convaincre les délégués, contrairement à ce que les gens disaient avant, on peut convaincre les délégués à travers un projet de football. Moi, j'aimerais bien que ça redémarre et que je prenne mon ticket du stade Omnisport. Je m'abonne pour faire tous les week-ends et être au stade et participer à la joie de ce football camerounais. Vraiment, c'est un regain d'espoir pour nous, les jeunes, de voir notre football camerounais se dorer d'un nouveau souffle. Je suis très content et j'espère que, ou je sais que Eto'o Fils est un peu comme ce symbole qui va donner un nouveau souffle au football camerounais. Oui, alors, M. Désiré Milingui, on va quand même, on parle de la situation des footballeurs qui va être professionnalisée à moins de 1 million de francs CFA par salaire pour joueurs d'Elite One. Mais au-delà, ils sont pas quand même d'un véritable courage, parce qu'il faut dire qu'on a déstabilisé les habitudes, on a changé les habitudes, parce que pouvoir arriver en tant que joueur, être joueur même, il faut le dire, parce qu'il a arrêté sa carrière footballistique, réussir à arriver à la Fédération Camerounaise de football, qu'on le sait, tout un système, et gagner cette élection haut la main, 43 voix sur 74 électeurs qui étaient prévus. On parle quand même d'un courage qui définit d'ailleurs la nature du peuple bassa, pour ne pas aller plus loin que ça. Oui, justement, précis. Vous savez, Samuel Eto'o, comme l'a dit dans le panel, Samuel Eto'o est un des, Samuel Eto'o est un, c'est un symbole, c'est-à-dire que c'est un exemple pour la jeunesse. C'est-à-dire que lorsque vous voyez Samuel Eto'o, c'est-à-dire que tout le monde aimerait avoir un fils comme Samuel Eto'o, un frère comme lui, un père pour ses autres enfants. C'est-à-dire que vous savez, il faut des gens qui puissent donner du courage, c'est-à-dire la volonté de faire. Voilà pourquoi je n'ai pas douté un seul instant de la victoire de la question qui s'avait bien constituée. Ont pu quand même donner ses voix à quelqu'un d'autre, à Samuel Eto'o Fils. Parce que je pense que. Il faut passer du moment où j'ai aussi un projet bien élaboré, qui parlait justement de la suite de cette reconstruction du football camerounais. Non, moi je pense qu'il avait un bilan qui n'était pas élogieux. C'est vrai, il a fait ce qu'il a pu faire, il n'était pas à la hauteur. Et nous savons que Samuel Eto'o Fils, c'est-à-dire qu'il a un projet qui est solide, il a des moyens qui vont en cas de moyens, je parle normalement. De son carnet d'adresse, je parle de sa volonté, je parle de la hargne, je parle de sa vitalité, de la jeunesse. Je crois que le football camerounais a tout à gagner, il a tout gagné. Alors, Saïmou Moukété, on ne vendait pas cher la peau de Samuel Eto'o Fils, on le sait quand même au départ de ses campagnes pour l'élection au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup de personnes l'avaient déclaré, et même certains observateurs sont camerounais de football, et même le système, quand on connaît le déroulé des précédentes élections. Qu'est-ce qui a joué pour le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, le docteur Samuel Eto'o Fils? C'est la FIFA, en disant que pour lui, Samuel Eto'o, il sait très bien que l'Assemblée générale qui doit voter pour les élections de la FECAFOOT, c'est l'Assemblée générale des délégués. Lui, il a fait une lettre en envoyant à la FIFA et il a posé la question, vous, est-ce que vous m'autorisez à prendre part à cette compétition? C'est vrai que jusqu'aujourd'hui, la FIFA, après cette victoire, aujourd'hui, l'heure est à la réconciliation. Mais avant de revenir à ça, je pense qu'il faut quand même parler un peu du challenge, parce que c'était quasi insurmontable ce qui s'est présenté à lui. Vous avez vu toutes les difficultés qu'il y avait. C'est que les gens ne savent pas que le jour où il a déposé sa candidature, c'est le lendemain qu'il est venu récupérer que l'accusé de réception. Obama est allé récupérer l'accusé de réception, parce que ce jour-là, on a essayé de trouver des astuces pour ne pas prendre le truc, mais bon, c'était dommage. Mais finalement, je pense qu'il a fait un discours qui était cette violence dure, mais je pense que jusque-là, d'autres personnes ont dû intervenir au niveau de l'État pour que cela se fasse, parce que je pense que le Cameroun n'avait pas besoin de tensions supplémentaires qui viennent du football, parce que bon, on a déjà beaucoup de problèmes comme ça. C'est aussi pour cela qu'il fallait quand même que cette histoire se termine calmement. Et heureusement que ça s'est terminé comme ça. Mais le challenge était énorme, parce que lui, les gens pensent qu'il était loin de la politique du football. Non, il a toujours été dedans.
Hein, ce que les gens ne se rendent pas, il a toujours été dedans. Même quand il était joueur, il avait déjà une assise nationale au niveau du président des clubs, au niveau du président des ligues, au niveau des différents responsables. Il avait déjà une assise. Il avait déjà une assise de ce côté-là. Parce que la plupart, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de personnes qui entretiennent des relations avec lui, mais ils ont carrément endormi. C'est le moment de qui ne s'est pas rendu compte, et ça c'est difficile. Ça veut dire que quelque part, quand on dit qu'il a manqué de stratégie ou il n'était pas fin, non, je suis désolé, il faut être un grand stratège pour pouvoir déployer ce type de stratégie. Peut-être pour ne pas vous couper, on a quand même vu Céline Cole embrasser, qu'on sait quand même qui a été aux côtés de Seydou Momondjoya, Tarmon aussi qui est arrivé. On sait que c'était quand même le collectif de ces nouveaux mondiaux, mais embrasser ça m'étonne. Il faut mettre un peu de l'eau à votre moulin. Il faut dire qu'il y avait déjà beaucoup de... Ceux qui regardent le football savent que depuis pratiquement 10 mois à 1 an, il y avait déjà une cassure entre Céline Eco et Céline. Ouais. Par rapport à cette histoire de Guinness, il y avait déjà une cassure, il y avait déjà une fracture. Mmh. À un moment donné, il y avait beaucoup de tensions. Mmh. Vous vous rappelez quand Samuel a fait sa tournée, où il est allé dans le sud, Céline était là. Ça veut très bien que c'était du n'importe quoi. Et que finalement... ça doit attirer notre attention. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a, au-delà de tout, il y a un travail de stratégie qui a été fait, et il y a des personnes qui sont compétentes, mais avec lesquelles il avait des difficultés hier, qui ont été très violents envers lui, mais il n'a pas hésité d'aller les chercher, comme son directeur de campagne, avec qui ils ont eu des clashs, ou qui a écrit tout un livre pour lui dire à quel point il était médiocre. Mais ça lui a permis de réfléchir, et ça n'a pas empêché qu'il aille le chercher pour qu'il devienne son directeur de campagne. Quand un dirigeant, c'est ça être manager. Parce que quand les gens disent non, il n'est pas manager, non. Il faut avoir tellement de hauteur. Il faut avoir un état d'esprit solide et vraiment irréprochable pour aller chercher quelqu'un qui vous a tapé dessus, mais qui vous a carrément complètement mis à la poubelle. Vous allez le chercher parce que vous savez qu'il est fort. Vous savez qu'il sera utile pour vous. Je pense que c'est des leçons que nous devons attirer. Parce que dans un combat, il ne faut pas seulement aller avec des gens qui vous disent tous les jours, vous êtes le plus beau, vous êtes le meilleur. Dans un système de management, moi par exemple qui fais des relations publiques, c'est des choses que je n'aime pas entendre. C'est-à-dire, quand tu es un dirigeant, quand tu as des gens qui te disent tous les jours que tu es bon, il va falloir que tu les vis. Donc aujourd'hui, c'est que nous vivons là. Et il y a la jeunesse de tout ce qui entoure ce projet, il faut apprécier, que ce soit le directeur de campagne ou le porte-parole. C'est des jeunes, on peut dire qu'ils sont rompus à la tâche. Ils connaissent le système, parce que faut pas oublier, c'était aussi un combat politique. Peut-être pour enchérir ce que vous dites, avant de donner la parole aux autres, parce que vous avez suivi cette actualité de bout en bout, on a quand même vu une sorte de réconciliation, presque une humiliation, et Toffice qui est allé rencontrer Joseph-Antoine Bell, ancien lion de Nantes, alors qu'on sait que le torchon brûlait, le chef traditionnel, le torchon brûlait entre les deux. Et Toffice qui s'est presque mis à genoux devant Antoine Bell. Ça, c'est la suite de la préparation. Parce que c'était impossible de ne pas être endossé par les siens. Vous vous souvenez de cette fameuse vidéo où Roger Mela dit « Voici ta famille, Samuel. Tu ne pourras rien faire sans ta famille. Le jour où tu reviendras dans ta famille, je t'assure, ta famille va t'élever. » Et ça, c'est important. Parce que quand je pense à la famille, je pense à ce qu'a fait le président du SINAFOC. Le SINAFOC, Jérémy Sorin d'Itap, au sorti de cette élection, il sort comme un grand monsieur. Parce qu'il avait fait exactement la même chose en Côte d'Ivoire. Dans une famille, quand votre enfant a des problèmes, vous le défendez d'abord. Et c'est ce que Jérémy a fait en tant que président du FIPRO Afrique et président du SINAFOC. Il a d'abord appelé les siens. Il a dit, on se met derrière le meilleur entre nous pour l'instant pour cette élection. Et tout le monde, Denis Enama, Jules Denis Enama, a déçu beaucoup de personnes, y compris dans sa famille, parce qu'il a donné sa parole et que le lendemain, vous avez suivi dans la salle. Moi, quand il a dit ça, quand je l'ai vu dans la salle, ça, j'ai coulé des larmes. Parce que c'était triste, parce que c'est un garçon que j'aime beaucoup. Il a un état d'esprit qui est bien. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'il arrive à quitter sa famille pour aller s'exploser comme ça? C'est incroyable. Peut-être qu'il a estimé que le projet de Seydou Momondjoya était meilleur que celui de Samet Office. Non, je sais ce qu'on lui a dit, mais je ne veux pas le dire. Il faut le dire, on va débattre. En revenant sur le cas de Denis Zana, peut-être le temps pour nous de recevoir le quatrième invité. Alès Guépu, bonsoir. Bonsoir, je m'excuse pour le retard, parce que là je suis, j'étais du côté de Bonanjo, j'y suis encore parce que je retourne pour un événement panafricain avec Seba qui est là, donc la remise des prix aux hommes aux plus méritants panafricanisme actuellement. C'est un événement qui débute du côté du Cameroun, donc nous sommes là en train de promouvoir la culture panafricaine, les cultures africaines en général.
Alors, je vous invite particulièrement ce soir parce que vous avez été l'un des politiciens qui a réagi sur l'implication de Samuel Toffi. D'ailleurs, vous avez fait dans une sortie dans l'un de vos postes, la politique aux politiciens, le football aux footballeurs, et vous avez presque soutenu Eto'o dans les différents posts que vous avez fait sur Facebook et les forats et autres. Cette victoire de Samuel Toffi, comment est-ce que vous la percevez ce soir? Oui, d'abord, je vais revenir d'abord sur ma posture. Au départ, que j'avais fait un post assez violent sur Samuel Toffi, il y a presque un an, quand Eto'o se rendait au Grand Nord, il se rendait à l'est du Cameroun. Il faut tout le dire, l'ambassadeur pour l'UNESCO, si je ne me trompe pas, pour l'UNICEF. Donc j'avais estimé à l'époque que du côté de l'Est Cameroun, nous avons une tragédie de ce côté-là, où nous avons nos enfants de 2 ans, 3 ans, qui sont en train de chercher de l'or à ciel ouvert. Et alors, Eto'o fils à l'époque s'était rendu à l'Est du Cameroun et est allé prendre les attributs auprès des chefs coutumiers de l'Est, et il ne s'était pas rendu vers sa mine d'or. Or, sa seule présence à cette époque dans une mine aurait peut-être amené, vu son aura, l'UNICEF et toutes les organisations internationales à voir comment faire pour construire des écoles et scolariser ces enfants-là. Donc rien que par ça. Et j'avais vraiment critiqué cela. Parce qu'à l'époque, il était au Nord et tout ça. Et il a aussi pris aussi certaines postures politiques. J'ai estimé que ce n'était pas assez bien pour une personne de son envergure, même si c'est un Camerounais, mais avec l'envergure que Samuel Toffi avait, entrer dans ce jeu politique, politicien, ne devait pas lui rendre service. Maintenant, en tant que Camerounais, hein, j'ai eu à porter mon soutien à Samuel Toffi qui a été candidat, parce que j'estime pour ma part qu'on ne devrait empêcher en aucune manière aucun Camerounais d'être candidat à une élection. Puisque j'ai milité pour la nationalité, la multinationalité, et que les adversaires des Eto'o fils ont dit qu'il ne serait pas candidat vu qu'il ne serait pas Camerounais. Or, il a remporté les trophées avec le Cameroun en n'étant pas Camerounais d'office, c'est-à-dire qu'en étant de manière légale. Cette raison-là n'était pas valable. Elle n'était pas valable. Donc, justement, rien que pour cela, je plais mon soutien. Car quand vous êtes en position des convictions et que vous militez pour que tout citoyen puisse être candidat à une élection, là, il faut que je soutienne. Maintenant, j'ai continué à soutenir tout justement dans les différents procès sortis. Mais ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu un homme humble, déjà qu'Eto'o, je le connais personnellement. Bon, pas personnellement, mais Vous avez fait les classes ensemble? Oui, nous avons fait les classes primaires. Non, pas primaire, du 4e espagnol E1. À l'école secondaire? Non, secondaire, au séminaire de Blaberry. Oui, au séminaire de Blaberry, 4e espagnol E1, je crois en 94, comme ça. Nous avons été dans la même salle de classe en 94. Donc, je suis allé à cette époque-là. Bon, mais j'ai vu au courant de durant cette élection, j'ai découvert un camarade de classe qui était assez poli. J'ai aimé une image très forte. Il s'est agenouillé devant un monsieur. J'ai aimé. Lors de son discours, il a demandé des excuses à une dame qui l'aurait offensé. J'ai également aimé. Sincèrement, ce sont des attitudes. J'ai vu, il parlait avec les mains comme ça. Ce sont des attitudes d'un homme qui est humble. Et ça m'a vraiment intéressé. Et je tiens à dire bravo, champion. Et maintenant, sur son élection pour Pandit, je tiens à réitérer que je ne suis pas quand même d'accord sur quelque chose qu'a dit mon compagnon, ce qui a dit que je ne sais pas comment est-ce que les autres ont fait pour donner des voix à Sidi Bobo Dioya. En tant que démocrate, ça ne se dit pas, je suis contre cela. Hein. Une élection, quand elle est libre, les votants ont le droit de choisir le candidat, le candidat qu'ils veulent, de leur choix, selon leur projet de société, bien selon leur projet politique. Donc de ce côté, je refuse ce genre de propos. Et je dis aussi, quand Eto'o s'est a écrit que, à la FIFA, demandant à être autorisé pour prendre part à l'élection, je dis que ça a été purement un jeu politicien, parce que ce n'est pas la FIFA qui autorise un individu. Prendre part à une élection, c'est un acte personnel, individuel, et demander l'autorisation à la FIFA. Je crois qu'il a bien joué ça. Parce que quand il remet en question, il remet en avant le fait que c'est l'Assemblée. On parle d'une plainte qui sera adressée au TAS dans les tout prochains jours. Oui, mais peut-être pas pour mettre un spectre de plaintes sur cette nouvelle élection. Mais on sait quand même que plusieurs fois, on a revendiqué, on a réclamé l'installation du bureau de l'Assemblée générale de 2009. Oui, mais la FIFA n'a pas répondu parce que la FIFA ne peut pas lui répondre. Car la FIFA ne s'ingère pas dans vos décisions personnelles, mais je dis. Et ça a été un bel éclat politique. Mais je vais dire ce que j'ai eu à remettre à cette élection, à la FECAFOOT, c'est qu'en tant qu'homme politique, je dois dire, aujourd'hui, nous avons reçu une leçon de démocratie, que la transparence fait à ce que ceux qui prennent part au vote peuvent choisir le candidat
de leur choix et que ce candidat qu'ils vont choisir va être adoubé par tout le monde, leur défaite. Mais quand on a regardé les chaînes concurrentes aujourd'hui, j'ai suivi tout le processus électoral en ce jour, j'ai dit, cette transparence-là, c'est cela que nous demandons, nous, acteurs politiques. Nous demandons que lorsqu'on va aux élections, que ceux qui organisent, parce que les comités présents, que ce qui s'est passé aujourd'hui à Mondial Vision puisse être appliqué sur toute forme d'élection, afin que ceux qui vont être désignés, bien ceux qui vont être élus, ne puissent pas que leur élection ne souffre d'aucune contestation. Donc j'ai aimé cette leçon-là. Je dis bravo aux footballeurs, je dis bravo au monde sportif, parce que vous avez donné une très très belle leçon. Et surtout, je dis une félicitation particulière au président Samuel Eto'o Fils, encore mieux à Assiedou Bonjoya, parce qu'ils ont mené des guerres de campagne politique, mais à la fin, ils sont réconciliés. J'espère que cela va continuer, va perdurer, et que le peuple camerounais va comprendre que avec une élection transparente, nous allons éviter énormément de problèmes ici au Cameroun et en Afrique en général. On va quand même dire qu'une élection à la Fédération camerounaise de football, Guy Stéphane Niassé, très médiatisée. C'est la toute première fois qu'une élection est retransmise en direct sur plusieurs chaînes de télévision nationales. Et on revient un peu sur le discours de Sédou Moudia. Certains ont estimé que lors de ses propos avant cette élection, il a une attitude bis. Est-ce que vous êtes établi d'ailleurs son attitude, sa déclaration après sa défaite? Lui qui dit désormais, Samuel Eto'o Fils est président de la fédération, on doit l'aider pour la continuité et le travail pour développer le football camerounais. L'élection a été médiatisée. Moi, j'ai assisté en 2018 à d'autres élections qui ont été médiatisées. La beauté qu'on a eue ce soir, c'est qu'on n'a pas eu deux présidents. Un président élu et un président... Bon, on va parler de politique ce soir. Non, mais en fait, une élection est politique. Et donc, quand il faut tirer les leçons, tirons-les avec beaucoup de joie et de prestance. C'est ce que j'ai remarqué. Sédou Bonjoya a accepté le processus en avant. Il a accepté de s'engager, Samuel Eto'o a accepté de s'engager, contrairement à d'autres qui acceptent le processus et s'engagent et puis après le dénoncent. Une fois que le processus est terminé, Sédou Moumoudjoua a accepté les résultats, pareil pour Samuel Eto'o. Donc, je pense que c'est... Ils nous ont montré aujourd'hui que, contrairement à ce que plein de personnes disent chaque fois, une élection au Cameroun, elle peut se gagner, elle se gagne lorsqu'on les acteurs s'y investissent et cherchent, par exemple, à surveiller leur vote. Ont des personnes dans les bureaux de vote pour vérifier que la commission fait bien son travail, mettre peut-être un peu sous pression, vérifier que les règles électorales sont respectées. Moi, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. J'ai vu des candidats qui se sont donné les moyens financiers, et même chercher à comprendre les bulletins, exiger même qu'il y ait une marque précise pour limiter les fraudes. Et c'est ce qui a fait en sorte que ce processus soit sain. Et ce n'est que normal qu'à la fin, on assiste à ce fait. Est-ce que c'est pas un mauvais visage qu'on présente au Cameroun quand on voit des candidats réclamer qu'une sorte de transparence, qu'une sorte même de traçabilité? Parce qu'ailleurs, on ne voit pas tout ça. On ne voit pas ce remue-ménage, on n'impose pas la vigilance sécuritaire, on n'impose pas que des candidats soient fouillés parce qu'il a démontré des photos aussi. C'était presque un petit cinéma qu'on a vu qui a un peu égayé cette élection. Est-ce que tout ceci n'entache pas un peu ce processus électoral qui a eu lieu ce jour à Yaoundé? Aucun nom. Vous avez vu aux États-Unis, le président, on a accusé le président Donald Trump d'avoir pactisé avec la Russie pour frauder les élections. Et bien après, pendant la campagne présidentielle américaine, j'ai vu plusieurs tweets de l'ex-président Donald Trump dire qu'une fraude massive se prépare. On parle là de l'une des premières puissances du monde, où le président a même demandé aux gens d'envahir le Congrès parce qu'il y avait une fraude. Donc je veux dire que c'est normal. Et c'est ça même l'enjeu électoral, de tenter de vérifier, de surveiller le vote, de se mettre en condition. Et c'est pour ça que je tire des leçons. C'est pour dire que la leçon, elle est pour les politiciens, parce qu'une élection est politique. Lorsque vous allez à une élection, vous ne pouvez pas dire « je vais à une élection et je ne suis pas un politicien, je suis un sportif ». Non. Eto'o nous a montré aujourd'hui qu'il est un bon politicien, parce qu'il a mis en œuvre un certain nombre d'instruments pour surveiller son vote. Il faut le féliciter. Et il faut également féliciter Sédou Bonjoya parce qu'il n'a pas attrapé le virus. Nous, on avait peur aujourd'hui qu'il y ait un virus de 2018 qui pouvait le toucher, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte les règles. Et puis après, lorsque les règles tournent en sa défaveur, il se plaint, on ne m'a pas élu et il commence à faire un tapage. Il nous a montré la leçon démocratique. Il accepte le résultat parce qu'il a accepté les règles au départ. Lorsqu'on accepte les règles et on va dans le jeu, il faut accepter le résultat. Maintenant, moi, je pense que
son discours que j'ai écouté aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu cette impression, mais quand on va regarder toute la campagne, Seydou Mbonja ne s'est pas beaucoup exprimé. Oui. Il a l'air de quelqu'un qui est plutôt introverti, contrairement à Samuel Eto'o, qui est bien extraverti, qui s'exprime, tout ça. Donc peut-être que c'est des éléments qu'il faut travailler, parce que quand on est dans la vie publique, il faut travailler ce côté de nous qui prend la parole. Mais c'est qu'on a reproché aussi à Eto'o fils d'être un peu extraverti, hein, parce qu'il y a beaucoup de reproches. Ce n'est pas une élection, ce n'est pas le peuple qui vote, même si aujourd'hui on se rend compte que cette communion avec le peuple a aidé. Justement. On dit, c'est pas le peuple qui vote, on n'a pas besoin de faire autant de tapage, ce sont les électeurs. Moi, je pense que... C'est ce qui explique le fait que Seydou Mbonja soit introverti et qu'il travaillait dans l'ombre. Bon, moi je pense que Eto'o a une double victoire. Hein. Non seulement il a gagné l'Africa Foot, mais il a gagné le cœur des Camerounais. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont hâte que le championnat camerounais reprenne, que nos mythiques équipes. J'ai lu plein de tweets de nos hommes d'affaires influents ou bien de nos diasporas, par exemple, Prisi Amot, qui dit qu'il va rentrer investir dans le football. Vous voyez, tous ces Camerounais qui ont redécouvert l'engouement du ballon rond. Je pense que c'est une double victoire pour Samuel Eto'o. Non seulement il est président de l'Africa Foot, mais il a réussi à dire qu'il, j'ai vu un tweet où il disait qu'il va construire des stades. Et qui sait, peut-être qu'il y aura des financements, des chefs d'entreprise ont promis qu'ils vont venir financer. Et peut-être chaque zone, chaque mairie pourra construire son stade avec ses financements. Et peut-être chaque équipe aura son stade comme partout ailleurs en Europe. Et puis on pourra commencer à revisiter le football. Moi, je pense que le projet de Samuel Eto'o est plutôt très beau. Et la leçon, elle est pour tout le monde. Moi, j'ai vu aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entrée du jeu, quelqu'un qui n'est pas fils de prince. Parce qu'il y a comme dans l'imagerie populaire camerounaise, c'est un construit. Je ne sais pas, je sais pas d'où ça vient, mais c'est un construit qui est au Cameroun où on dit que pour réussir sa vie au Cameroun, pour être dans le top, il faut être fils d'eux. Mais Eto'o a démontré encore aujourd'hui que pour réussir au Cameroun, on peut être président d'une fédération nationale du Cameroun en étant fils de David Eto'o. Son père David Eto'o aujourd'hui est célèbre. Grâce à lui, ce nom Eto'o fils est célèbre grâce à lui. Ce n'est pas un nom de prince, ce n'est pas un nom d'héritier, c'est un nom de quelqu'un qui est parti de zéro et aujourd'hui qui va redorer l'image du Cameroun qui est comme un héros national. Moi ça m'inspire en tant que politicien et j'aimerais que ça inspire d'autres politiciens qui nous regardent parce que parfois on reste là dans nos chaises avec les discours qui sont déjà faits et le pays va mal, rien ne peut changer et on ne pose pas les actions qu'il faut. Si Eto'o fils dit que je fais face à une machine, parce que c'est le discours qu'on a vu dans les réseaux sociaux, partout ailleurs. Eto'o ne pourra pas prendre cela parce que la machine est bien huilée, il y a un dispositif qui est bien assis. On va écraser Samuel Eto'o. Et il nous a montré qu'il peut, grâce à des actions, grâce à un projet, renverser la machine. Et c'est le message que moi j'ai compris et que j'aimerais que d'autres politiciens, de jeunes politiciens comprennent. Il ne faut pas croiser les bras et se décourager, se dire que les gens qui sont en face de nous sont, ou les obstacles qu'on a en face de nous sont insurmontables. Grâce à Samuel Eto'o aujourd'hui, on comprend qu'on peut vraiment partir de rien. Avec un peu de sagesse, avec un peu de finesse, avec la bravoure dont il a fait preuve aujourd'hui, on réussit à se démarquer. Je lui dis bravo et j'espère vraiment que d'ici quelques temps, il va déployer ses immenses projets et on va s'asseoir chaque fois à la télé pour applaudir et pour se réjouir. On l'espère aussi. Peut-être pour laisser un tout petit peu Samuel Eto'o parler un peu de l'attitude de Seydou Mbonja parce que je veux qu'on y revienne pour sortir avec Seydou Mbonja puisqu'on a beaucoup de volets à évoquer, l'avenir du football, l'implémentation des projets de Samuel Eto'o. Cette attitude de Seydou Mbonja, on va quand même dire qu'il faut l'applaudir d'ailleurs. C'est la réalisation, monsieur est avec nous. Il a fait un tweet quelques minutes, 6 minutes après l'élection où son cabinet, je crois, de campagne, voilà, je viens pour vous donner cette déclaration et c'est la réaction que l'afficher à l'écran. Alors, l'Africa Foot a un nouveau président. Je félicite Samuel Eto'o et je lui souhaite plein de succès. Merci à ceux qui ont continué de croire au projet qu'on nous donne. Merci aux acteurs du football et au personnel qui se sont dévoués à mes côtés avec la conviction de donner au sport une belle trajectoire. Je leur demande d'apporter à la nouvelle équipe choisie par l'Assemblée Générale le concours utile pour que flotte plus haut le drapeau de notre pays. Je crois qu'avec des déclarations pareilles, on peut applaudir Seydou Mbonja qui, sans le vouloir, ou peut-être à dessein, a décidé d'abaisser les tensions et de demander à l'équipe sortante d'accompagner l'équipe entrante. Ça, quand même, il faut le dire. Ça, c'est fair play. Oui, justement, tu as dit qu'à ce niveau-là, il faut vraiment l'apprécier. Encore que, comme l'ont dit mes prédécesseurs, vous savez, lorsqu'une élection a été aussi transparente, c'est-à-dire que lorsque toutes les règles étaient pas bien défini, mais à la fin, c'est-à-dire qu'on ne pouvait même pas extrapoler et qu'à un moment, il faudrait quand même que
la personne perdant de la crise connaissent que l'élection a été perdue parce que tout le peuple camerounais a vu. Dans le monde entier, que ce soit la FIFA ou les autres pays, on a vu que la victoire de Samuel Petit était claire, il était vraiment éclatant. Donc pour moi, c'est le moment où Dieu n'avait pas le choix. Il devait peut-être que là, il en sort peut-être grandi, tout simplement, mais il ne pouvait pas s'opposer peut-être à la décision finale. Donc moi, à ce niveau-là, je crois quand même que. Il a fait son meilleur coup de pas, c'est normal, parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Mais maintenant, je voulais revenir sur autre chose, c'est-à-dire que par rapport à la campagne de Samuel, que j'ai dit, les Camerounais, je ne sais pas pourquoi ça leur arrive souvent, ont un peu sous-estimé Samuel et tout, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand je parle de sous-estimer, j'ai entendu certaines personnes dire que Samuel et Tofis est en train de faire une campagne comme si c'était une campagne présidentielle qui visait toutes les populations. Pourtant, ils savaient qu'on avait affaire à chanter. Mais j'ai dit, mais est-ce que ces gars savent même de quoi ils parlent? Est-ce qu'ils savent? Est-ce qu'ils connaissent même le personnage? Parce qu'en réalité, les gens ne maîtrisent même pas ce que Samuel et Tofis. Moi, j'ai l'impression. C'est quelqu'un que je suis depuis 2007. Je vous dis, je suis Samuel et Tofis depuis 2007. J'ai regardé tous ces matchs au Cameroun jusqu'à ce que Eto'o arrête de jouer. C'est-à-dire que lorsque Eto'o devait jouer, le Cameroun devait jouer. Même ce match, je joue. Parce que je voulais le voir jouer. C'est-à-dire que j'avais ce plaisir de voir un joueur camerounais. C'est-à-dire quand j'ai vu à Info Sport hier et que je le retrouve sur le terrain. Et c'est ça qui faisait la force du football camerounais. À un certain moment, quelqu'un qui est donc pétri de cette expérience et qui vient dans son pays, on organise une élection comme celle de l'Africa Foot qui a 76 délégués et que les gens pensent quand même que Samuel Eto'o s'en va faire la campagne dans le décor. Pourtant, il pouvait adresser ceux qui doivent aller voter. Vous comprenez que Eto'o a prouvé aux gens que son problème même n'était pas l'Africa Foot, parce qu'il avait déjà l'Africa Foot. Mais maintenant, il fallait donner au football cet éclat. C'est-à-dire que cette élection n'a pas le sens de l'élection de l'Africa Foot. Elle avait normalement la proportion d'une élection qui visait autre chose, encore que certaines personnes lui ont donné. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que c'est pour dire que, à ce moment, ceux qui ne connaissent pas Samuel Eto'o, c'est eux qui ont pensé comme ça. Parce que Samuel Eto'o a été capitaine de l'équipe nationale. Nous tous avons ces difficultés. C'est-à-dire que même lorsque les gens parlent de son capitanat, vraiment lorsque je prends la peine de leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé à l'équipe nationale, parce que pour avoir suivi de très près, c'est-à-dire que cette équipe, c'est-à-dire que lorsque vous parlez, vous leur parlez d'un sujet que vous semblez maîtriser mieux qu'eux, mais ils ne veulent pas l'admettre. Et pourtant, ils sont très loin de la réalité. Donc Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que je connais pour l'avoir fréquenté. Ce n'est pas mon ami. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais rencontré quelque part individuellement. Mais par rapport à l'admiration que j'avais pour lui et que j'ai toujours eu, j'ai passé le temps par-dessus. Et je sais, lorsque quelqu'un se retrouve au niveau de Samuel Eto'o, il faut avoir le mental. C'est-à-dire que le talent, ça ne suffit pas. Nous avons vu des grands joueurs, c'est-à-dire à l'instar de Ronaldinho, qui était l'un des joueurs, je dirais, le plus talentueux. Il a cette perspicacité-là. Lorsqu'il a envie d'arriver, il arrive toujours parce qu'il se donne les moyens. Et là, c'est-à-dire que je crois que c'est une société de téléphonie mobile qui avait sorti ce slogan. Eto'o peut. Et il nous a prouvé que chaque fois qu'il veut, il peut. Il peut. Alors, je propose de faire un tour dans les rues de Douala, la capitale économique, parce que nos équipes se sont rendues, mine et bienvenue, lors de ce processus électoral qui a eu lieu à Yaoundé. Vous allez voir, les réactions sont vraiment mitigées, mais toujours dans le bon sens. Et on va dire la statue des Tofis qui a eu lieu à Nouvelle, au quartier Maki, a été repeint cet après-midi. Commandant au quartier secteur 9, repeint totalement les nouvelles couleurs, tout est vif. Il manque qu'on mette un petit chapeau à cette statue pour montrer l'engouement de ses supporters, mais surtout ces jeunes de ce quartier qui l'ont vu grandir. Je vous propose de faire un tour dans ces rues, d'avoir la réaction, d'écouter la réaction des uns des autres. Et on revient juste derrière sur ce plateau. A tout de suite. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une grande fierté pour nous, c'est une bénédiction en tant que joueur, aujourd'hui en tant que président gagné. Et je pense que les délégués ont fait ce qu'il fallait pour le projet qui est là. Et je pense que le plus difficile commence maintenant. Et toi est mon fils, c'est un petit frère du quartier qu'on a élevé tous ensemble ici. Là. Un enfant très généreux, humble, qui côtoie tout le monde. Ouais, ce qui se passe en ce moment, c'est une grande fierté pour le Cameroun et pour la nation tout entière. Parce que depuis des temps, on a vécu FK Foot sans succès, sans évolution. Aujourd'hui, Samuel Eto'o est arrivé comme un messie en voie de Dieu. Il a dit qu'il va changer le football, il va changer la raison de naître de la Fédération camerounaise. Je suis ici pour célébrer la victoire d'Eto'o, fils de Papa Eto'o. Je suis très contente qu'il ait gagné, il ait remporté la victoire.
notre Père. Nous lui disons merci. Merci, Papa. Célébration d'un fils d'Afrique qui enfin a le siège qu'il mérite. Samuel et ton fils mérite le siège de président d'Afrique Foot. D'abord parce qu'il est footballeur. Et je vais ajouter parce qu'il est un fils qui défend les footballeurs. Depuis plusieurs années, Samuel Eto'o a défendu les footballeurs. Et je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Nous voulons mettre les Africains à la place qu'ils méritent. Le monument de Samuel Eto'o ici représente tous les efforts qu'il a bien sûr et la joie qu'il a donnée aux Africains. Et je crois que pour nous, nous méritons d'avoir Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, yeah, yeah. Samuel Eto'o, yeah, yeah. Allez, ça, on parle de... Allez, voilà, de retour dans sur ce plateau, on a vu la réaction de quelques riverains du quartier Commandant à Douala, capitale économique. Juste de dire, on a quand même vu que ça a été un véritable spectacle lors de cette élection. La contestation de la participation de Jules Denis Onana, qui apparemment on n'était pas mandaté par le SINAFOC, qui lui a retiré ce mandat de participer à cette élection en tant que délégué. Comment est-ce que vous avez analysé tous les tracassés qui est autour de sa participation, sa non-participation à cette assemblée générale élective? Oui, je pense que c'est... Tout à l'heure, j'en ai parlé un peu. Je pense que je connais un peu le SINAFOC. Il faut dire que depuis trois jours, les membres du bureau du FIPO Afrique étaient en Afrique, en conseil spécial avec le président Jérémy, avec tous les membres du décision. Je pense que pour le SINAFOC, c'était une situation qui était inadmissible. Parce que tu ne peux pas, en tant que membre, en plus, le SINAFOC avait énormément confiance en lui. C'est pour ça qu'on lui a remis un mandat. Et que quand on vous donne un mandat, on vous désigne la personne qui vous avez voté parce que vous représentez une structure. Bien sûr. La structure dit, nous on vote pour telle personne. Ton mandat, c'est juste pour aller voter au nom de la structure, pas à ton nom propre. Donc ça a posé un peu de problème. Hein. Je pense qu'il y a eu un deal que je ne veux pas dire ici parce que faut pas dégrader la personne de Jules. Mais c'est du moment où il a perdu, il a soutenu. Moi, je comprends pas quand même des raisons qui ont poussé Jules Denis-là à retourner sa veste. J'ai très très mal pour Jules parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut... Ça fait partie de ce geste-là qu'on fait et qui va nous poursuivre toute notre vie. On a promis de l'argent jusqu'à ce que nous quittons ce monde. Et ce qui s'est passé là, c'est assez triste. Parce que quand on prenait l'ambiance dans le monde du football, parmi les footballeurs, c'est que c'est des gens qui n'ont jamais, mais jamais réussi à se mettre d'accord depuis pratiquement 20-30 ans. C'est pour cela que c'est du football, comme c'est le cas avec 2009, où en 2009, avec l'Assemblée générale 2009, vous avez les acteurs du terrain qui ont décidé de faire bloc, hein, peu importe ce qui arrive. Donc je pense que pour une fois, ils étaient tous d'accord, sauf un qui avait donné son accord, parce qu'il avait eu des garanties ailleurs. Que si jamais il se passe quelque chose, après on l'a carrément embarqué comme un gamin. On l'a fait croire que s'il se passe quelque chose avec l'autre, lui pourra, tous ses votes pourra aller vers lui. Je ne sais pas comment il a fait pour croire une telle chose, mais c'est triste de voir cela. Moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal d'en parler parce que c'est un monsieur que je respecte énormément, parce qu'il a beaucoup donné au Cameroun. Tout ce que je demande à sa famille footballeur et à tous les footballeurs, c'est de ne pas lui en vouloir. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la réconciliation. Et je sais que c'est ce qui va être fait. Aujourd'hui, on a besoin de réconcilier les Camerounais autour du football parce que c'était ça, c'était le symbole de cette victoire. La question que j'allais vous poser, ça m'a occupé peut-être pas pour appuyer un peu le marteau sur le clou qui est déjà enfoncé. Est-ce que vous avez l'impression qu'on ne le considère pas désormais comme un traître, quelqu'un qui donne sa parole et quelques heures après se contredit et affirme? Il a eu la possibilité de changer tout à l'heure, lors de cette assemblée, quand on lui a demandé de s'exprimer. Il a d'ailleurs salué Samuel Eto'o fils. Il a dit qu'il décide de soutenir ce Mamadou Dia. Il a décidé de le faire. Il doit assumer son choix. Je suis d'accord avec toi. Ça, par contre, là, il a insisté dans la salle. Il a dit que je ne suis pas pour l'autre. Il a abandonné sa famille pour aller avec d'autres personnes. Et ça veut dire que quelque part, lui seul, il a décidé de se retirer de la famille du football. Et je pense que ce qui peut lui arriver demain, ben, ça sera à lui d'assumer les conséquences. Parce que ce qu'il a fait dans la salle, c'était fort. C'était fort. Parce qu'il a dit, je sais que moi, je ne peux pas gagner. Je ne peux aller nulle part. Je veux probablement zéro voix. Mais je décide parce que je pense que le projet de l'autre est beaucoup plus intéressant. Je veux... Si vous voyez bien que c'était tellement fort pour lui qu'il n'a même pas pu prononcer le nom. Il n'a pas dit le nom de ses... Il a dit que le président sortant... Il a dit président, il n'a même pas dit Seydou parce que c'était difficile pour lui de dire déjà
que ça dit que quelque part, c'est pour ça que plusieurs personnes pensent qu'il y a eu quelque chose. On a fait un deal avec lui en disant que si jamais il se passe quelque chose avec Seydou, parce que les gens avaient l'impression que quelque chose d'extra allait se passer avec Seydou, parce qu'il était, il était devant le juge d'instruction et qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Mais je suis content que ici, aujourd'hui, on a pu organiser cette élection. On a pu avoir cette élection en direct. Et ça, il faut le dire, je n'ai pas donné ses frères avec qui il a marché depuis très longtemps pour des raisons qui sont complètement inexplicables aujourd'hui, parce qu'il ne pourra pas convaincre une seule personne sur sa motivation de ne pas soutenir sa famille ou de revenir sur sa parole, parce qu'il avait dit qu'il est avec eux. Et je pense que son président, le président du collectif des anciens Lions, était présent ce jour-là. Et puis tout le monde a décidé de se mettre ensemble. Ce n'était pas une action facile, parce que pour réussir à rassembler ces gens, je vous assure, quand le président du Sinafon, Jérémy, a décidé, même au sein du Sinafon, les gens n'y croyaient pas. Tout le monde était surpris par cette décision qu'il a dit. On appelle tout le monde. Et on se retrouve ici, ici au siège du Sénafoc. On ne le fait pas ailleurs parce que c'est la maison de football, c'est la maison de footballeurs et que tout allait se décider là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile pour Jules Denis. Moi, je peux imaginer dans quelle souffrance il est aujourd'hui. Parce que c'est vraiment la personne qui souffre. Parce que Seydou est sorti de cette élection avec beaucoup de classe. Même si moi, j'ai été très, très violent avec lui plusieurs fois. Mais je pense qu'il a donné une leçon aujourd'hui. Le président Seydou, il faut l'admettre. Il a quitté cette élection avec énormément de classe, énormément d'élégance, et qu'on ne peut pas lui en vouloir. J'espère qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière en ce qui concerne le président Seydou Bobondjéa. Il va falloir qu'on le laisse tranquille. Il a quitté le football, il a quitté les partis. Mais ce que je sais, c'est que sûrement, il y a d'autres sanctions qui vont arriver, parce que n'oublions pas, il a déjà été viré du football pendant presque 5 ans ou 10 ans. Il a insisté pour Paulette, oui. Donc, je pense que de ce côté-là, l'Assemblée de 2009 ne va pas revenir sur sa décision. On va le frapper, ça c'est clair, il n'y a même pas d'hésitation là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, Jules, son action n'est pas classe, même pas un peu classe. Ça c'est logique. Et il a dit à sa famille, je ne veux plus de vous. Voilà ce qu'il a fait. À travers son geste, il a dit, je rejette la famille, je ne suis plus avec vous, entre vous et moi, c'est fini. C'est ce qu'il a dit dans la salle. Et qu'aujourd'hui, c'est le constat qu'il faut faire. Quand quelqu'un vous dit, je m'en vais, ben, heureusement qu'aujourd'hui, on a vu, il arrive au Cameroun en discrètement, en catimini. Les gens ne le savent pas, il vient souvent au Cameroun, mais discrètement. Là, il a fait une vidéo pour dire, ben voilà, il va revenir, mais avec d'une façon claire. Pour accompagner ce projet. Moi, j'ai échangé avec, à la fin des élections, avec l'ancien international camerounais qui s'appelle Marcus Mokake, qui est à Sedan, qui est le coach de U17 de Sedan, qui était tellement enthousiaste. Et même lui, il a envie d'embarquer le club soudanais, le club de Sedan, ici aussi, pour un projet pareil. Donc, vous voyez bien qu'il y a beaucoup d'énergie positive qui circule comme ça. Et aujourd'hui, j'espère qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. C'est vraiment au niveau de la réconciliation. Oui, parce parler du travail à faire. Parce qu'il y a un travail qui est sérieux à faire. Il y a un challenge qui est sérieux à faire. Mais Eto'o a commencé à faire. Julie Ndona a choisi d'accompagner ceux de Bobondjéa. Mais aujourd'hui, il est jugé pour la simple raison que, quelques heures avant sa déclaration, il avait accepté d'accompagner Samuel Eto'o Fils d'ailleurs. Cela avait été médiatisé, publié sur les réseaux sociaux où on parlait de la candidature de Mabouan Kessak, de Jules Denis Onana, qui rejoignait Samuel Eto'o Fils. Et qu'au lendemain, cela après la conférence de presse, Jules Denis Onana retourne sa veste, déclare qu'il n'a jamais donné ses voix ou son vote à Samuel Eto'o Fils. Et qu'en salle, lors de cette élection, il affirme. Comment comprendre cela? Oui, précis. Moi, je pense que Jules Denis Onana, dans la vie, il y a des choix qu'on peut opérer, et surtout des choix malins. C'est-à-dire qu'on peut opérer. Quand ça a réussi, ça a réussi. Si Seydou Bobondjéa, par extraordinaire, avait été voté président de la Fédération camerounaise ce soir, on ne tiendrait pas ce discours. Ça veut dire qu'il serait gagnant. Et maintenant que Seydou Bobondjéa a perdu, Jules Denis Onana est le plus grand perdant de cette soirée. Pourquoi? Parce que, en réalité, moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que Jules Denis Onana n'a pas été voté comme délégué. Mais plutôt, il a bénéficié du mandat, c'est-à-dire que d'une association. Ça veut dire que le mandat dit quoi? Ça veut dire que ce n'est pas toi, c'est nous. Mais maintenant, nous décidons donc t'envoyer faire notre volonté. Mais là, il était mandaté par le Sinafoc. Justement. Il est candidat, mais il avait été mandaté par le Sinafoc. Par le Sinafoc. Ça veut dire que maintenant, nous pensons que voilà notre candidat. Et comme nous t'avons donné ce mandat, c'est pour lui que tu vas rouler. Ça veut dire que ici, si tu ne peux pas faire ce que nous voulons, nous allons retirer
notre mandat, c'est tout. C'est-à-dire que je pense que Jules-Denis Onana devrait être doublement puni. Parce que, je vous avoue, c'est-à-dire que doublement puni, pourquoi? Parce que si cette élection avait peut-être basculé à une voix, c'est-à-dire que pour vous, mon Dieu, est-ce que vous imaginez ce qui allait s'en suivre? Des batailles judiciaires, c'est-à-dire que Jules-Denis Onana, qui ne devait pas avoir, Samuel Etoffi s'est opposé. C'est-à-dire que Jules-Denis Onana ne devrait pas dans cette salle. On lui a retiré ce mandat. Mais il a insisté, quand on a le monsieur qui était en train de déléguer, a demandé à ce qu'il a, c'est-à-dire qu'il est entré. Et étant là-bas, on a, c'est-à-dire que je pense que c'est sur son sujet qu'on a passé le plus de temps. Mais maintenant, pour qu'il aille même voter, on a mis un temps. Mais jusque-là, pour quelqu'un qui a un peu de conscience, je crois que lui-même, il aurait désisté. Et pire encore, lorsqu'on lui donne l'occasion de venir s'exprimer, il a quand même la mentalité, la non-élégance de venir dire qu'il est en train, il va accompagner le projet qui a été entamé. Ça veut dire que c'est une manière de narguer. C'est-à-dire qu'il était en train de narguer sa famille. C'est-à-dire qu'il était en train de narguer les membres de SINAFOC. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Qu'il soit responsable de ses actes. Il ne faudrait pas qu'on encourage toujours des Judas, comme on les appelle, de manière triviale. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens sachent que lorsque tu prends sur toi de poser un acte ignoble comme celui-là, que tu en sois capable, n'est-ce pas, d'assumer les conséquences. Donc pour moi, Jules-Denis Onana, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucune peine qui ne soit pas pardonnée. Il n'y a aucune faute sur laquelle on ne revienne pas. Je crois que ceux-là vont trouver quand même des mots pour essayer de pardonner à Jules-Denis Onana. Mais je pense que c'est difficile. Et même si c'est difficile, qu'on le fasse, que lui comprenne qu'il est responsable de ce qui va lui arriver et ou de ce qui arrive déjà. Moi, je pense que ce soir, Jules-Denis Onana ne va pas trouver le sommeil. On va revenir sur une information capitale qui vient de tomber. La sécurité du judiciaire de la Fédération, exigée par le président entrant, Samuel Etoffi, on y reviendra. Mais peut-être revenir sur ce cas de Jules-Denis Onana, avec peut-être la commission électorale. On a bien vu, on a démontré qu'il n'était pas mandaté par le SINAFOC pour voter. Mais cette commission électorale qui s'est quand même entêtée à faire voter Jules-Denis Onana, qui allait chercher les documents, on ne sait où, soit à la maison, soit dans ses archives, et qui a quand même voté en tant que délégué. Votre lecture sur... Moi, j'ai trouvé le sujet vraiment curieux. Déjà, au niveau juridique, je préfère commencer par le premier niveau, le niveau éthique. Je suis mandataire d'une association qui me demande de voter un candidat. L'association décide de me retirer le mandat. Mais je pense que mon éthique est en jeu. Si en pleine assemblée, je force pour aller à l'encontre de mon mandant. Vraiment, je pense que c'était d'abord un problème éthique, avant même de rentrer dans le problème juridique. Jules-Denis Onana devait nous montrer qu'il est de bonne moralité. Et puis, finalement, quand je regardais cette émission en journée, cette élection en journée, j'étais encore beaucoup plus déterminé. Je me suis dit, mais finalement, Samuel Eto'o a raison. S'ils sont capables de faire ce genre de coup en Mondial Vision, ça veut dire qu'ils veulent absolument ne pas perdre l'Africa Foot parce qu'il y a des choses, un réseau qu'ils ne veulent pas démanteler, que Eto'o démantèle. Donc peut-être qu'il y a des choses qui tiennent absolument à ce que Samuel Eto'o ne voit pas une fois qu'il va s'asseoir là à ce siège. Donc c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose, je pense que le juge a expliqué qu'il n'y avait pas une preuve matérielle qui montrait qu'on l'avait déchu de son mandat. Apparemment, la commission avait déjà siégé et la commission avait validé les personnes, les électeurs. Apparemment, il fallait un gros processus pour que la commission change la liste. Donc, il n'y avait pas un cas de jurisprudence qui permettait au juge de trancher sur l'affaire. Eh bien, je pense que Désiré Mining, il a dit, si l'élection était passée en faveur de Momo Dioula, on devait avoir un gros contentieux. Parce que là, ça devait traîner. Mais heureusement que ce n'est pas passé. J'espère juste que, je souhaite que Jules-Denis Onana bénéficie de cette atmosphère de réconciliation qu'on voit en Samuel Eto'o. S'il a pardonné à Jean-Bruno Tagneux, et c'est ce que Simon Mouquet a dit en entrée de jeu, qu'il a respecté Samuel Eto'o parce que Eto'o est un bon manager. Parce qu'il a pardonné à Jean-Bruno Tagneux, qui a commis deux livres, jusqu'à deux, où il montrait comment c'est Eto'o qui était la plus mauvaise personne. Aujourd'hui, il comprend le problème du football camerounais. Il comprend que Eto'o a beaucoup changé et qu'il avait fait une mauvaise lecture. Donc, si Eto'o a pardonné à Jean-Bruno Tagneux, si Eto'o a accepté les reproches que lui faisaient son père Mila, son tonton Bell et tous les autres acteurs du football camerounais, il est rentré avec eux. Moi, vraiment, pour le symbolisme, je souhaiterais qu'il tende aussi la main à Jules-Denis Onana.
qu'on ne le laisse pas dans son coin. Parce qu'il est aussi footballeur. Et puis, je fais partie de ceux qui pensent qu'on a le droit de se tromper. Peut-être qu'il pensait avoir raison. Il se disait que c'est le moment où il pouvait vraiment faire quelque chose. Donnons-lui cette présomption-là et disons-nous que... il a le droit fondamental de mal penser et de se tromper et que ce n'est pas pour autant qu'il faut l'exclure. S'il est compétent, il a des compétences. Et puis même pour le symbole, le football, c'est un sport de gaieté. C'est ce sport qui nous donne le niveau de bonheur national inestimable ici au Cameroun. Donc moi, je souhaiterais vraiment, si Samuel Eto'o, si ses porte-parole écoutent cette émission, vraiment qu'il tende la main à Jules Denis Onana parce que... Actuellement, le Cameroun, je pense qu'on a beaucoup plus besoin des personnes qui travaillent main dans la main. Oh. Et ça va nous inspirer aussi. C'était une faute de la part de Jules Denis Onana. Je pense qu'il doit mal dormir ce soir. Mais vraiment, si Samuel Eto'o peut lui pardonner et peut lui donner la place qu'il a, qu'il pourrait avoir dans l'équipe, moi, personnellement, ou nous, qui regardons la politique d'un bon oeil. Parce que la politique, ce n'est pas la guerre. Une fois qu'on a joué ses coups stratégiques pour avoir la victoire, quand ça n'a pas marché, c'est le gagnant qui écrit l'histoire. Et Eto'o peut choisir donc d'écrire son histoire et de donner une petite place à Jules Denis Onana pour pas qu'il reste dans son coin et il ne participe pas à la célébration qui va se faire. Vraiment, je souhaite que Eto'o lui pardonne. Que Eto'o, bon, pardonner peut-être c'est un mot fort, ou bien que le footballeur, parce que j'ai entendu Simon Moukété est vraiment rageux, parce que on sent bien qu'il est dans le domaine, c'est sa profession, lui, avec beaucoup de rage. Vraiment, ça peut partir de vous, hein, monsieur Simon Moukété, c'est-à-dire que vous commencez déjà à lui donner une place, à vous dire, vous avez gagné. Le projet que vous portez pour la Fédération Camerounaise, pour le Cameroun, vous allez l'implémenter. Et puis quand vous allez l'implémenter, ce sera aussi pour les gens comme Jules Denis Onana. Donc vous n'allez pas l'exclure. Vous n'allez pas exclure toutes les personnes qui n'ont pas été avec vous. Parce que les gens ont le droit de mal penser, les gens ont le droit de se tromper. Et c'est les gagnants qui donnent toujours la possibilité aux perdants de se repentir. Moi, vraiment, c'est ce que je pense. Et que Jules Denis Onana prenne conscience que ce qu'il a fait était quand même un manque d'éthique et qu'il essaye vraiment d'arranger les choses en acceptant que c'était une boute qu'il a faite aujourd'hui puisque le cynophobe lui avait enlevé le mandat juste par éthique. Il n'avait pas à insister pour aller voter quand la personne, le mandant, lui a dit et ce n'est pas à toi d'aller mandater. Il devait par éthique renoncer. Bon, il s'est trompé. On espère, dans la mouvance de la joie, les gagnants font souvent de belles choses. Que Samuel Eto'o va continuer à faire de belles choses, comme il a commencé pendant la campagne. On l'espère aussi. Alice Guépi, sur la question. Oui, je voudrais dire que je suis un peu abasourdi. Dit que la faute, que Eto'o le pardonne. Mais Eto'o n'est pas le juste de conscience de Jules Onana, ni le Snafop. Arrêtons de parler de cette comédie. Moi, c'est une comédie. Même ce plan juridique, c'est une comédie. Parce que les gens sont en train de nous faire comprendre sur ce plateau que parce que Snacop vous a mandaté, le Snafop dit si vous allez voter, n'est-ce pas? J'ai aussi dit que les délégués sont mandatés, ils sont élus. L'élection est un mandat. Le Snafop a mandaté, on n'a pas eu l'élection, je pense, en interne. Est-ce que dans ce mandat-là, dans cette élection, est-ce qu'il a été dit clairement en choisissant Onana que vous devez voter tel candidat qui a battu campagne pour ce candidat-là et que les délégués ont choisi. Non, oui. Permettez-moi, parce qu'il était candidat. Il est candidat. Vous pouvez dire que je précise. Non, si vous pouvez, allez-y. Être candidat est différent d'être délégué. Vous pouvez être candidat sans être permettez-moi, délégué. Permettez-moi, ok, j'ai compris. Vous dites quoi? Si le Snafop décide que le mandat, celui à qui le mandat devrait voter X candidat, et qu'il y a une personne qui est candidat et qui veut se voter lui-même. Alors qu'est-ce que vous faites? Donc ça, il y a une erreur que Snafop donne le mandat à un candidat. Parce qu'on veut nous faire comprendre que Jules Onana qui était candidat allait aux élections pour perdre. Ça dit qu'on a... Non, mais ça a été clarifié, c'est légal. Non, permettez-moi, c'est légal. Je prends le cas de la politique, monsieur Alain Guépi. Il y a MRC allié, c'est un allié. Ce sont les candidats qui sont alliés à la cause de Samuel Eto'o. Vous ne suivez pas ce qu'on dit. Je vous éclaire, mais je vous éclaire, je vous relance. Il y a une réunion qui a été faite au Sinafoc où Jules Denis Onana, candidat, Mabanke Sak, candidat, ont décidé de donner leur voix J'arrive. Et Jules Denis Onana a été mandaté par le Sinafo qui avait décidé de choisir Eto'o. Avant que soit candidat, après qu'il soit candidat. Après ou avant, c'est la même chose. Non, de voter Samuel Eto'o. C'est pas la même chose. Avant ou bien après. Il a été mandaté de voter Samuel Eto'o. Avant qu'il soit candidat, mais après qu'il soit candidat. Le simple fait que le Sinafo décide
de voter. Non, permettez-moi de vous expliquer. Non, je vous éclaire juste la question. Mais je vous dis donc, n'est-ce pas? C'est une question de droit, c'est une question politique. Vous comprenez? J'ai dit ceci. Est-ce que lorsque le Snafop dit une personne à le représenter, est-ce qu'il y a une élection qui se passe au sein du Snafop qui dit vous allez voter X des grands électeurs? Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'un grand électeur, généralement, est issu d'une orientation purement politique ou il bat campagne pour l'orientation politique. Est-ce que le fait que quand vous êtes mandaté, hein, comme par exemple un délégué, laissé délégué par région, mais un délégué en fait est élu, mais ses électeurs peuvent vouloir qu'il vote X ou Y, mais le délégué, ça va porter sa voix à une autre personne. C'est un débat contradictoire. Vous avez autant de paroles. Je dis, je réitère, ça a été une erreur pour moi, à mon avis, de donner mandat à un candidat. Parce que le candidat a ses ambitions politiques, a son projet politique. Le candidat peut vous promettre de voter X ou Y, mais ce jour, il se vote lui-même. Si Jules Onana s'était voté lui-même, vous avez dit que vous avez trahi? Non. Vous l'avez mandaté, n'est-ce pas? Mais les candidats, maintenant, plus rien ne vote pas. Mais si ce jour, donc, lui, candidat, décide de se voter, de se donner sa voix à lui-même, est-ce une trahison? Je ne pense pas. D'abord, il y a une faille par rapport à cela. Non, la trahison, monsieur, depuis la trahison arrive. Laissez-moi m'exprimer. La trahison. Donc, c'est ce niveau qu'on parle. Non, je comprends parfaitement cette question que je dis. Je dis ceci. Pour moi, c'est une erreur de donner mandat à un candidat à l'élection. Parce que au candidat à l'élection, vous allez dire que c'est un acte politique. Vous comprenez un peu. Et à un moment, il prend des décisions purement politiques. Je dis ceci. Si vous donnez un mandat à un candidat, vous lui dites de voter par exemple X et que lui va poser son choix sur lui-même. Il le fait. Et il le fait. Est-ce que c'est une trahison? Je ne pense pas. Ouais. C'est déjà pour montrer une limite par rapport à ce mandat dont on t'a dit qu'il a trahi les gens. Parce que si je l'avais décidé de se voter lui-même, ce n'est pas une trahison. Parce qu'il est candidat pour gagner l'élection. Maintenant, c'est grave. Ce candidat-là décide de ne pas prendre part et oriente son choix. Est-ce que le choix du candidat est au-dessus du choix du SNAFOP? Je ne pense pas. Parce qu'il a des ambitions politiques, il est capable de gagner l'élection. On va vous interrompre juste 30 secondes. Monsieur Alesgripi, si nous permettons. On va aller en direct à Yaoundé. Nous allons recevoir Monsieur Diffo, qui a assisté justement à cette élection élective, qui va nous donner un peu l'ambiance. Bonsoir. Bonsoir Diffo, bienvenue sur le plateau de LTM Télévision, plateau spécial. Bonsoir Priscille, Messéné, bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM, la télévision du monde. Bienvenue à Yaoundé, mais surtout, l'autre partie, bienvenue dans la salle des travaux de l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Alors, dites-nous un peu l'ambiance qui prévaut. On vient d'avoir une information selon laquelle Samuel Toffi serait signé un communiqué en tant que nouveau président de la Fédération où il exige, où il demande au commandant de sécuriser les locaux de la Fédération camerounaise de football dès cette nuit de samedi 11 décembre. Est-ce que vous avez quelques informations sur la question? En effet, il faut utiliser le mot, même si Samuel Eto'o dans son communiqué a été très démocrate et présidentiable, si on peut le dire ainsi. Mais en d'autres termes, il faut le dire de façon triviale, Samuel Eto'o a simplement décidé de la sceller des locaux de la Fédération camerounaise de football pour permettre, pourquoi pas, un audit avant sa prise de fonction à la Fédération camerounaise de football. Rien de plus normal, même si on sait qu'après les élections de la Fédération camerounaise de football, le président ou alors le président a 4 jours pour la passation de service, donc 4 jours pour mettre à niveau les différents documents et pouvoir passer le service. Je vous informe d'ailleurs que la cérémonie de passation de service aura lieu mercredi 15 décembre prochain, mais le nouveau président de la Fédération camerounaise de football a d'ores et déjà pris le pouvoir sans être installé. Il y a donc ce communiqué qui décide de la sécurisation des locaux de la Fédération camerounaise de football. Est-ce que ce n'est pas mettre un peu les charrues avant la charrue avant les bœufs? Oui, à ce niveau, c'est l'éternelle question du verre à moitié plein ou à moitié vide, simplement parce que on peut le voir à moitié plein parce que Eto'o qui prend les rênes de la Fédération camerounaise de football a besoin de se rassurer de ce qui a été fait de ce côté, de la gestion de ses prédécesseurs. Il veut voir clair dans ce qui a été de la gestion de ses prédécesseurs pour pouvoir, pourquoi pas, attaquer, demander un audit
Mais le verre à moitié vide, simplement parce que on pense que Samuel Eto'o pourrait attendre quand même sa prise de fonction dans 4 jours avant de prendre des décisions pareilles et pouvoir définitivement s'exprimer à la tête de la Fédération camerounaise de football. Alors, au sein donc de l'hôtel Montpellier, c'est le les travaux de cette assemblée générale élective. Est-ce qu'on a déjà une idée du bureau qui va être constitué pour gérer le bateau pour les 3 années à venir? Pour le moment, il faut dire que les travaux se poursuivent. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter en fond. Selon nous sommes, je suis en plein cœur de la salle. Pour votre émission, pour votre programme, j'ai dû m'infiltrer comme je pouvais, ça il faut le reconnaître, dans la salle des travaux pour vous permettre d'avoir le son, l'ambiance de cette salle. Mais pour le moment, on ne peut pas encore vous dire ce qui va constituer déjà le comité d'urgence de la Fédération Camerounaise de football, parce que le comité d'urgence est constitué uniquement du président et les 4 vice-présidents. Non, les 4 vice-présidents n'ont pas encore été votés, simplement parce qu'il faut d'abord voter les 16 membres du comité exécutif par région, et pour le moment, c'est ce qui est en train d'être fait concernant la région du littoral, la ville de Douala, qui est notre ville annulée, certainement avoir le sourire précis, mais ce n'est puisque Daniel Mongué-Niamsi a intégré ce jour, ce soir, le comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football, le second membre de ce comité exécutif, c'est Stéphane Fokou-Kamga, le président de la Ligue départementale du Vourou. Voilà donc les 2 membres du littoral qui vont intégrer le comité qui ont déjà intégré, puisqu'il faut dire que le littoral avait placé, et ça a d'ailleurs valu les applaudissements de toute la salle, le littoral avait 3 candidats pour les 2 postes, mais simplement, monsieur le président de la Ligue régionale du littoral, lui, Robert Bequet, a pris la parole et a indiqué que pour avoir conduit le football dans le littoral pendant 26 ans, se prenant aujourd'hui pour le pilier de ce football dans le littoral, il ne veut pas partir à une quelconque élection, un quelconque défi avec ses deux petits frères. Il laisse donc la possibilité à chacun de prendre la place du membre du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football, raison pour laquelle aujourd'hui Stéphane Fokou-Kamga et Daniel Mongué-Niamsi prennent donc place désormais et siégeront au comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football en attendant les élections des vice-présidents. Mais on va rappeler que puisque Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, est déjà du littoral, on ne pourra pas avoir un autre vice-président qui vient du littoral. Voilà, merci à vous, Fandifo. On vous reviendra. Si vous permettez, LTM, qui est au cœur, qui elle également est dans cette salle, je ne sais pas si on a la possibilité d'avoir son impression à chaud après l'élection de Samuel Eto'o. J'espère que vous me le permettez. Juste à côté de moi, je vous l'ai dit, Priscille Messénée en direct de LTM Télévision. Je suis avec Madame la PDG. Madame Marthe Dikongo Alès Dinali, qui est certainement satisfait de l'élection de Samuel Eto'o en tant que président de la Fédération Camerounaise de football, qui est au cœur de cette salle. Madame, bonsoir, nous sommes en direct sur LTM Télévision avec Priscille Messénée dans ce programme spécial élection FECA Foot. Quelles sont vos impressions après l'élection désormais du nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, fils Samuel Eto'o? Bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM. Bonsoir, PDG. Bonsoir. Écoutez, et ce fils à la tête de cette fédération, je pense que une belle histoire a commencé aujourd'hui. J'ai la certitude que ce ne sera pas une belle histoire pour le Cameroun. C'est une belle histoire pour l'Afrique tout entière. Ce que Eto'o a promis faire pour le Cameroun, je suis sûr que ça impactera tous les autres pays africains et que vive le football africain. Merci à vous, merci Madame la PCA de LTM Télévision, merci Franck-Éric Diffo pour tous ces éclaircissements. On reviendra vers vous avant la fin de cette émission. Merci à vous. Ouais, merci et bonne continuation donc à Yaoundé pour la suite des travaux. Vous l'avez suivi. 2 personnalités du football. Dans la... Alors, vous avez la parole, oui. Monsieur Alain Guépi, allez-y. Oui, je voulais donc dire, le SNAFOP qui est en train de... Les gens sont en train de dire qu'on a reçu le mandat. Quand j'ai suivi tout ce qui s'est passé aujourd'hui en direct, et le président, celui qui a présidé la commission, est un haut juriste, je n'ai pas vu une faille juridique
faut qu'on... Parce que les gens ne pas du droit. C'est-à-dire... C'est vrai que ça peut mandater quelqu'un de dire je vous donne le mandat de voter. Mais est-ce que dans ce mandat-là, vous comprenez, puisque le mandat, je ne sais pas, je ne pense pas, même si c'est le cas, à supposer qu'à ce moment-là, général, on mandat d'une personne. Maintenant, par rapport au statut du SINAFOP, vous décidez de retirer le mandat d'une personne, de le renvoyer à quelqu'un d'autre. Maintenant, est-ce que vous allez le faire science tenant le jour J d'élection? Là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Je comprends, les gens disent que, mais je dis, je nana, je ne vois pas tellement la faute qu'il a commis, parce que tout à l'heure, ils ont eu à dire, l'élection est un acte politique, vous comprenez? Et en tant que candidat, il avait le choix de décider de voter vers qui est-ce qu'il devait donner son mandat, sa voix ou pas. Et comme j'ai eu tantôt à le récit, c'est clair que nous sommes en période de réconciliation et qu'il faille reconcilier tous ceux-là qui ont pris part à cette élection. Donc, je pense que l'homme que j'ai vu aujourd'hui, Samuel Eto'o fils, avec les têtes assez humbles, je ne pense pas qu'il va, peut-être, à mon humble avis, hein, si je m'en tiens aux images que j'ai eu à voir, je ne pense pas qu'il devrait garder dedans à son ami Bouya, à son camarade, bon, à son... Bon, ils sont deux sportifs à l'autre, je ne pense pas, mais je dis, légalement, la décision qu'a pris la commission de le faire voter, il n'y avait pas, tout ce qu'il n'y a pas une faute, je dis non, et je dis, je réitère, en tant qu'homme politique, ça a été une erreur de donner mandat à une personne qui ne prend pas aux élections. On aurait dû donner le mandat à une personne qui ne prend pas part à l'élection. Ça a été une erreur pour le SINAFOP, et j'espère que prochainement, le SINAFOP ne fera plus cette erreur-là. Que quand quelqu'un est candidat à l'élection de la FECAFOOT, et on lui donne le mandat à aller voter, non, il faudrait donc que le SINAFOP tire des leçons, et qu'aux prochaines élections de la FECAFOOT, qui donnent leur mandat uniquement à les grands électeurs, par exemple le cas des grandes démocraties, sont choisis sur un programme électoral bien précis avec un vote orienté. Vous comprenez? Dans le cadre de l'FECAFOOT, les grands électeurs, qui sont ces 76 personnes, ne sont pas choisis sur un programme de vote orienté. Il faut bien faire pas des choses. C'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité d'avoir leur propre choix. Non, c'est ça qui est la question. C'est-à-dire qu'on vous mandate à une élection, n'est-ce pas? Mais au moment où on vous mandate, est-ce que ceux qui font le mandat, c'est-à-dire que cette assemblée générale, vous dit que vous devez voter par une voie élective? C'est-à-dire qu'on vous dit, il y a 5 candidats, ils disent, bon, moi je vais voter telle personne, vous comprenez? Vous donc votez telle personne. Dans ce cas, il aurait tort. Mais dit que vous êtes là, on vous vote. On vous donne mandat par voie électorale de porter la voix de l'association. Mais c'est-à-dire qu'on n'a pas mis un seul contraignant. On n'a pas mis un seul contraignant qui oriente vos choix. C'est un peu comme Samuel Eto'o fils aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est élu à FECAFOOT. Mais il y aura d'autres élections où il va pas mettre des pressions sur Samuel Eto'o fils. Mais il peut arriver qu'à des secondes, il porte un choix personnel. Parce que son élection n'aura pas... Parce qu'en fait, en allant... représenter la FECAFOOT pour donner une voix, il n'y aura pas une élection qui aurait choisi, qui aurait indiqué le type de vote à choisir. Voilà ce que, en fait, je veux qu'on comprenne, que les mandataires n'ont pas dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une élection des mandataires qui indiquait le type d'élection à choisir. C'est-à-dire à aucun moment, on a dit au SINAFOP que par voie électorale, que vous devez voter X personnes. Cela s'est passé par de bonnes... comme ça qu'il y a dessus. Voilà. Maintenant, pour chuter, si vous me permettez, juste pour chuter une seconde, je vais un peu revenir sur une actualité concernant Eto'o fils qui signe cela. Alors, on va revenir dessus, on va revenir dessus. C'est l'actualité, on reviendra dessus. On lit rapidement les messages. Bonsoir le panel, Jules Denis Onana est tout simplement un traître. Les autres footballeurs peuvent donc connaître que parmi eux, il y a des Judas. J'ai honte à sa place. Il ne mérite aucune place dans l'équipe Eto'o. Joseph de Yaoundé, quelqu'un qui est contre vous ne peut jamais appliquer vos projets. Je regrette. Jules Onana doit assumer son erreur toute sa vie. C'est le même Joseph qui envoie le message. On va lire les messages. Il y a tellement, il y a des appels. Alors, s'il vous plaît, monsieur Nguipi, n'a pas... Il y a tellement de messages qui arrivent en même temps. Salut, Yapoulé, juste mes félicitations à Samuel Eto'o fils enregistré. Un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau.
Pour une première fois, à mon humble avis, le Cameroun fait ce qui devrait être fait. Je crois que Samuel Tofis était le candidat idéal. Cameroun Obosso, le football en avant. David Babila, depuis Fassam, nous envoie le message. Salut le panel. Jules Onana a trahi la coopération. Il a fait un choix qu'il assume. Comme on fait, son lit, on se couche. Belle Mila, nos icônes en béni et tôt. Du sport à bas fond. Depuis Limbé, nous envoie le message. Alors, parfois, je me demande si nos intellectuels sont vraiment intellectuels parce que ce sont eux qui détournent les Camerounais avec les fausses déclarations. Urich de Ndi Klemeki. Bonsoir, le plateau et surtout bonne émission. Parlant du cas Jules Denis Onana, sachez que quand on a fauté, l'auteur doit supporter les conséquences. La peine de la trahison doit être proportionnelle au forfait. Kaka Jean-Vincent à Vogada à Yaoundé. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est cette fédération parce que dans notre pays, le gouvernement se mêle de tout. Bonsoir le panel, moi c'est Stéphane Dafeu depuis Bonaprise à Douala. Je l'avais déjà prédit que Samuel Etofis a un potentiel très énorme pour diriger cette instance fêtière footballistique qui est la FECAFOOT. Bravo monsieur le président Samuel Eto. Bravo Eto, merci à Ditap, à Mabouin, à Soin, Baranac, à NS Obama, à Jean-Bruno Tanier, à Jean Crépin, à ton représentant qui était sur le C. Jules Tranquille, et toi a soutenu Njoya face à Bell. N'avait-il pas ainsi quitté la famille footballistique? Charles Foudine qui nous envoie le message. Et ça, quand même, il faut tenir compte de cela. Bonsoir à vous, plateau. À mon avis, je crois que nous ne devrons pas combattre la victoire de Samuel Tofis. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il a mérité, donnons juste notre soutien. Zachary, depuis Maroua, nous envoie le message. Qu'est-ce que d'autres anciens candidats ont fait pour la FECAFOOT? Samuel Tofis est mieux placé et non un affamé comme les autres. Bonsoir, dites à monsieur en veste que Jules Denis Onana a trahi le SINAFOC. Il a été mandaté par le SINAFOC où il était, dit qu'il devrait de l'élection. Le candidat Jules Onana, au départ, c'est attelé à la candidature de Samuel Tofis et tout, donc sa voix aux élections étant candidat devrait revenir à celui de Samuel, même s'il sait voter lui-même. Comme il a été Judas aux dernières minutes, le SINAFOC a attelé sa voix pour Eto'o car il a poussé du monde. Les candidats qui ont une zéro voix ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas de délégués, mais plutôt que leur alliance avec X ou Y renvoie les délégués à leurs alliés. Voilà donc un message qui n'a pas été signé. Il y a tellement de messages, on va lire peut-être celui-ci avant de conduire cette émission. Bonsoir, je suis très content de la victoire d'Eto. Mohamed Zidane depuis Kribi nous envoie le message. Et peut-être sur l'actualité, Simon Mokete, pour revenir vers vous, cette actualité des dernières minutes qui vient de tomber. Et je vais le lire peut-être pour les téléspectateurs et vous allez réagir sur la question et tous les invités aussi. Alors, Le communiqué, si la réalisation le veut bien, présenter ce communiqué-là à l'antenne, à monsieur le commandant de brigade Tinga, demande d'assistance sécuritaire du patrimoine et des locaux du siège de la FECAFOOT 6 à Tinga. Monsieur le commandant, j'ai l'honneur de vous informer par la présente qu'à l'issue de l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football, au cours de laquelle s'est tenue les élections du président et des membres du comité exécutif de la FECAFOOT, j'ai été élu président de la dite fédération ce jour. Faisant suite à cet événement et afin de sécuriser le patrimoine et les locaux de la FECAFOOT, j'ai l'honneur de solliciter qu'il vous plaise de bien vouloir mettre à ma disposition vos éléments à compter de ce samedi 11 décembre 2021, sachant pouvoir compter sur votre prompte réaction et dans l'espoir de vous revoir dans les tout prochains jours dans mes bureaux signés. Samuel Tofis, veuillez agréer, monsieur le commandant, l'expression de ma parfaite considération signée Samuel Tofis, président de la Fédération camerounaise de football. Comment est-ce que vous appréciez cette note de Samuel Tofis? Était-il opportun de sécuriser, presque de sceller, le siège de la Fédération camerounaise de football alors que la passation de service est prévue dans quelques jours dans ce même siège à Tinga? Je pense que quand on connaît le contexte dans lequel l'élection a eu lieu et quand on connaît tout ce qui s'est passé avant, et pendant l'élection, et même dans la salle, vous comprenez que chacun est vigilant. Mm. Je vous ai dit qu'il y aura des efforts au niveau de la réconciliation.
il y aura les efforts au niveau du pardon, mais je pense que quelque part même, il y a déjà une procédure qui est en train de préparer pour que Seydou puisse sauter au niveau de la CAF. Puisque c'est parce qu'il était président qu'il a eu cette place à la CAF. On parle aussi de la gestion financière même de la fédération. Voilà, donc ce qui fait que l'autre a vraiment envie de couper complètement avec ce qui s'est fait par le passé. Et je pense qu'il n'a pas envie, parce qu'on sait ce qui s'est passé par le passé. Mais je peux vous dire que déjà hier et avant-hier, il y a depuis une semaine, les choses sont en train de s'envoler du bureau de l'Africa Foot. Hein. Les gens ont déjà pris des dispositions. C'est pas aujourd'hui que Seydou doit vider son bureau. Ça fait depuis plusieurs jours qu'il avait déjà anticipé, beaucoup d'autres personnes avaient déjà anticipé pour retirer des choses dans leur bureau. Mais probablement, je pense qu'hier déjà, hier nuit, il savait déjà que c'était compliqué pour lui. Parce que pour ceux qui étaient à la veille électorale, on a vu le mouvement de délégués s'effectuer de son camp au camp de son adversaire. Donc, il savait déjà que ça allait être compliqué. Hein, vous avez parlé tout à l'heure de son discours quand il parlait de sa profession de foi. C'était plutôt quelqu'un qui avait déjà accepté qu'il avait perdu. Il n'avait pas ce ton de guerrier. Il n'allait pas au combat. Mais c'est vrai que c'est pas quelqu'un qui a toujours... c'est pas quelqu'un qui est né dans la bataille. Il faut dire qu'on l'a pris, on l'a mis comme président. Il n'a pas fait d'élection, on avait complètement tout fait pour lui et on l'a posé sur le fauteuil. Donc, c'est pas une personne qui sait se battre pour avoir des choses. Donc, c'est pas ça, c'est sa nature aussi. Donc, c'est difficile de trop lui demander. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une réaction quand on reste dans le contexte du football camerounais, de son organisation et des tensions qu'il y a eu à l'Africa Foot et par le passé où on a vu des documents être extraits de la fédération à minuit, à 3h du matin. Je pense qu'il a décidé de faire cette affaire-là. Mais je pense qu'en dehors de ça, il y a des gens, il y a ces personnes qui vont prendre possession de la fédération. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dormir là-bas, qui sont proches de tout, parce que voilà ce qu'il faut sécuriser certains documents. Et Alès Guépi, vous voulez réagir sur la question justement de cette sécurité autour du siège de la Fédération camerounaise de football. Certaines personnes ou certains observateurs font état de privilégier ou de sécuriser des documents confidentiels et même des documents qui pourraient mettre au grand jour la gestion financière de cette FECA Foot, alors qu'on a parlé des caisses de la Fédération qui sont vides. Comment est-ce que s'est déroulé toutes les transactions financières? C'est lui peut-être des raisons qui auraient poussé sa maître fils à parler d'une scellée des locaux ou du siège de la FECA Foot à Tsinga. Oui, mais je vais dire que ce que toi as fait aujourd'hui en demandant de le sceller, ça envoie un message de... Voilà, c'est un message de conflit que c'est en train d'envoyer. Il faut être dans les tests de la FECA Foot pour savoir si le président élu, qui est élu au moment d'élection, prend directement fonction. C'est ça que les questions. Est-ce que celui qui est élu président de la FECA Foot prend directement fonction lors de son élection, comme cela se fait pour l'Assemblée nationale et le Sénat? Il faut être dans les crises d'Africa Foot, pour le dire. Maintenant, si le président qui est élu ne prend pas directement fonction, s'il y a une cérémonie de prise de fonction, alors Etoffis est dans l'illégalité. C'est-à-dire que l'acte qu'il a pris ne devrait pas être exécuté par le commandant de Yaoundé 2. Qu'on soit clair et net. C'est-à-dire que le commandant de Yaoundé 2 aujourd'hui doit faire appel à ses juristes, parce que l'applicateur doit avoir des juristes qui doivent aussi regarder les Africa Foot et voir ce que ça prévoit. Je dis clairement, si quand vous êtes élu président Africa Foot, est-ce que vous prenez fonction à l'immédiat lors de votre élection? Si c'est le cas, Etoffis est dans son droit de le faire. Si ce n'est pas le cas, alors il n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que l'autre est toujours président. Mais Etoffis, on va dire l'expression président élu, s'il faut le dire, qui prend la fonction, on a dit le 15. Non, permettez-moi. C'est important de le dire. Donc, je pense pour l'apaisement, hein, si on dit qu'on veut sécuriser les documents, les fonds, le président Africa Foot, même si c'est le 15, que ça soit Roger Scellé qui prend fonction, mais il peut demander un audit. Etoffis peut demander un audit sur la gestion antérieure d'avoir la prise de fonction. Pas l'audit au bout d'un mois, trois mois, il aura les résultats et il pourra facilement chercher à mener des actions qu'il veut mener. Mais je dis, pour un esprit d'apaisement, ce qu'il a signé aujourd'hui ne me paraît pas opportun, même si je félicite son action. Mais je crois que ce n'est pas un très bon message qu'il envoie aujourd'hui
en demandant qu'on scelle la FECAFOOT, sincèrement. Alors, on va rapidement évoluer parce qu'on s'achemine vers la fin de cette émission. On a presque eu presque 1h30 à débattre sur cette élection de Samuel Toufis. Alors, c'est vrai qu'on aurait dû avoir beaucoup de temps pour parler de cela, mais là, ce joueur qui, depuis plusieurs mois, n'a pas joué, un championnat qui voulait en dents de scie, un avenir meilleur. D'ailleurs, vous l'avez dit dans vos propos, dans l'entame de cette émission, la construction des stats, mais surtout le professionnalisme qu'on attend dans ce football camerounais. Bon, je peux juste dire quelques mots au sujet de la lettre. Je pense que prévenir, c'est une expression commune, prévenir vaut mieux que guérir. Si Eto pense qu'il y a déjà eu beaucoup de mal qui ont été faits dans la gestion de la FECAFOOT, il peut stopper le mal. Si je suis Mbombo Dioya et que je n'ai plus rien à me reprocher, qu'effectivement je veux passer le service, je n'aurai pas de problème à venir prendre mes effets personnels, même s'il y a des gendarmes. Je peux me casser la tête si j'avais vraiment de mauvaises intentions. La police au Cameroun n'est pas... Non. On a parlé de sécuriser. Sécuriser le patrimoine. Sécuriser le patrimoine. Pas scellé. C'est-à-dire qu'il empêche les gens de faire des exactions. Vous pouvez continuer à assurer le service minimum, mais vous n'allez pas prendre des documents, des choses du patrimoine. C'est de ça qu'il est question. Donc je pense que l'équipe sortante, si elle est de bonne foi. Tout à l'heure, Simon Moukete parlait de l'engouement positif quand il citait les personnes qui le contactaient, tout ça. Je pense que c'est d'abord par là où il faut commencer. Il faut d'abord fédérer tous ces footballeurs, tous ces détenteurs d'enjeux du football camerounais. C'est-à-dire les footballeurs, les hommes d'affaires, les entreprises camerounaises et surtout les spectateurs. Je pense que Samuel Eto'o a commencé à le faire. Pendant la campagne, il a réussi à unir tous les footballeurs. À quelques exceptions près, mais je veux dire, tous les footballeurs sont autour de la candidature de Samuel Eto'o. Et puis, il a commencé à aller vers les autres. J'imagine qu'il va, je ne sais pas comment il va s'y prendre, c'est lui le président, et il pourra même faire les erreurs. Parce que là, on parle, on va certainement trouver des erreurs que Samuel Eto'o aura fait, ou bien nous, on va penser qu'il est dans une direction qu'on n'aurait pas aimé. Mais on va toujours lui donner le crédit. Je pense que si ces hommes s'asseyent autour d'une table, des bonnes choses vont sortir. Le projet est tellement costaud que... Il a même déjà montré que ce n'est pas lui seul qui va faire le projet. Je prends la réunion qu'il a faite là avec les patrons d'entreprise du JICAM où il présentait son projet de football. Les opérateurs économiques. Voilà, donc je pense que Samuel Eto'o nous montre que le projet va engager tout le Cameroun et que lui, en tant que président, avec les membres de la Fédération Camerounaise de football, vont animer ce projet-là. Moi, j'ai la foi, je suis vraiment tourné vers l'avenir parce que c'est la première fois qu'on peut rêver quand on écoute un projet de football comme ça. Eto'o, je pense que son projet est sur 5 piliers. Bon, maintenant, il commencera par où? Je ne sais vraiment pas, mais je pense qu'il faudra qu'il capitalise sur l'énergie, sur l'enthousiasme, sur l'engouement que son élection a suscité et que rapidement il commence à implémenter. Je pense qu'il y a déjà la Coupe d'Afrique qui arrive, qu'il s'implique avec le président du COCAN pour que la Coupe d'Afrique soit un succès. Et je pense qu'à partir de cette Coupe d'Afrique, là, il pourra notamment viabiliser les championnats. Maintenant, le principal axe pour moi, de mon point de vue, c'est déjà de réunir M. Abdourahmane et le général Semenge. Vraiment, qui s'asseyent... Réconcilier les deux. Avec la FECAFOOT. Qui s'asseyent autour d'une même table et que d'un commun accord... il laisse les choses. Je vois peut-être, je ne sais pas comment ça se passe techniquement, je ne sais pas si la ligue professionnelle doit toujours rester autonome de la FECAFOOT, mais je pense qu'il faut que cet Eto'o les fasse asseoir et qu'ensemble, ils voient comment l'avenir, ils repensent l'avenir du football camerounais. Et je pense que c'est par là qu'il faut commencer, c'est le principal chantier, le premier chantier qu'Eto'o doit attaquer, déjà faire en sorte que ces velléités qui existent entre Abdourahmane, le général Semenge, la FECAFOOT, et même, j'ai oublié, le sénateur Albin Mbida. Aussi, que tout cela se... Que toutes ces fractions réunissent autour de Samuel Eto'o et je pense que là, le projet pourra vraiment décoller. Vraiment, en 30 secondes, M. Désiré Milingué, puisqu'on a terminé cette émission. Voilà, justement, moi, je voulais revenir sur la sécurisation du siège de la FECAFOOT. Mais il faudrait qu'on comprenne qu'au jour d'aujourd'hui, cet office ne veut pas avoir beaucoup de peine à démarrer ce chantier. C'est-à-dire que laisser de la possibilité à cela de venir tout prendre des pièces qui vont nécessiter des audits, qui vont prendre du temps et puis avoir pas assez de temps pour lancer ce projet. Je crois que c'est pour cela que Eto'o est pressé de sécuriser déjà ce qui peut être sécurisé pour que tout de suite, et encore que là, il n'a même pas de temps, parce que demain c'est la CAN. Après la CAN,
ça fait longtemps qu'on... C'est le championnat qui reprend. C'est le championnat qui reprend. Donc maintenant, aller encore attendre, nous dit qu'il va faire 3-4 mois, vraiment, ce serait en train de perdre un temps. Voilà pourquoi, pour ma part, je crois que c'est pour cela qu'il a pris cette décision. Implémentation du football, Mokete, Simon Mokete, on a vu son projet, on ne va pas revenir dessus, parce qu'on est encore dans l'effervescence de la victoire d'Eto, mais on parle du véritablement Etofist qui est dos au mur, le travail, il sera jugé sur le travail, implémentation du football, relance les activités sportives, notamment le championnat, ressusciter le football amateur, le football jeune, parce que, le football féminin, parce que c'est la base même du football pour les seniors, les lions, les lions seniors et autres. Oui, je pense que c'est normal. Il faut dire que déjà, dès les premières heures de la semaine prochaine, il va rencontrer le président de Toucan, le ministre Simon Ekombi. Donc, il faut déjà qu'il discute déjà. J'ai apprécié le fait qu'il y a quelques mois, il avait changé avec lui tout de suite après la cérémonie de tirage au sort. Il faut dire que son projet, moi, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il va le faire. On doit le faire confiance hein, autour de ce projet. C'est un sportif, c'est un footballeur. Il sait ce qui se passe, il a joué au Cameroun, il a évolué au Cameroun avant d'aller en Europe, il est parti, il est revenu dans le football, il connaît tous les challenges du football, il a été victime du racisme, il a été victime de plusieurs maux, pourtant c'est un immensissime joueur de classe mondiale parce qu'il a régné vraiment sur le toit du football mondial pendant près de deux décennies. Donc de ce côté-là, et puis le relation, on a vu beaucoup de joueurs, je rappelle, que ce soit Messi, que ce soit Iniesta, que ce soit beaucoup de joueurs qui ont dit qu'ils viendront faire un tour ici. C'est déjà énormément de possibilités de marketing pour le Cameroun déjà, et ensuite pour notre football. Donc c'est une ouverture qui est intéressante, qui est assez bien pour le football. Allez, merci, une véritable ouverture. Merci monsieur, merci Guy Stéphane Yassé, Désiré Melinghi, monsieur Simon Mokete, merci pour vos interventions. On sait que ça, vous avez été disposé à le faire. On vous remercie grandement, ainsi que la télévision du monde. Prenez rendez-vous dans l'actualité sportive, sur des émissions spéciales. On reviendra sur cette élection de Samuel Etofist, mais surtout le processus, la passation de service qui va se faire dans quelques jours à Yaoundé et le minute by minute de cette assemblée qui se tient même à l'hôtel Montfébé à Yaoundé concernant cette assemblée générale élective à la Fédération Camerounaise de football. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de programmes de votre chaîne de télévision. Passons un bon week-end et à lundi dans Sport Life avec John Peterka. Au revoir à tous et bonne soirée.